aujourd'hui, donc, je reviens pour la découpe de ces fameux magazines. Alors, je répète vite fait, je vais mettre un numéro sur les magazines. S'il y a quelque chose qui vous intéresse à l'intérieur, envoyez-moi un email qui sera dans la barre d'infos avec le numéro du magazine et ce qui vous plaît à l'intérieur. Et on s'arrangera enfin, tout à deux. Pour voir quel échange on fera entre nous deux, tout simplement. Voilà. Alors, c'est une manière d'introduire des échanges sur ma chaîne. Voilà, je voulais faire des genres d'happy mail et compagnie, ben, je me suis dit, ben, c'est une bonne introduction, le dépiautage de magazine pour lancer des échanges avec vous sur ma chaîne. Donc, des happy mail et compagnie. Bref, je vais commencer directement avec le découpage de magazine. Alors, donc, comme je le disais, je vais mettre un petit number one sur ce premier magazine. Je le mets là parce que je vais récupérer une partie du fond. Alors, j'espère que, enfin, en même temps, je fais ce que je veux, vous allez me dire, hein, mais voilà, je vais quand même prendre pas mal. J'espère qu'il y aura encore des choses qui vous plairont dans mes magazines. Alors, j'ai moins un coup de café, hein, du café. Moi, je préfère le café au thé. Alors, dans la première vidéo, je disais qu'elle allait durer beaucoup trop longtemps. Et là, je me rends compte que je suis déjà en train de papoter et vous dire que je suis en train de boire un café. Ça va aller. Alors, je m'assois ce coup-ci. J'espère que ça ira. Je vais quand même mettre un petit repère là où je peux bouger. Ok. Ça va. Alors, je vais faire donc le premier magazine ici, le Flow. Et je vais mettre les autres magazines de côté. Alors, je vais prendre ici. Alors, n'oubliez pas aussi, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire, de toujours regarder à l'arrière s'il n'y a pas quelque chose qui vous plaît mieux à l'arrière. Ça m'est déjà arrivé. Je parle par expérience, hein. Donc, ici, il n'y a vraiment que ce côté-là qui me plaît. J'aime bien le fond, là, comme ça, bleu. C'est vraiment très, très beau. Alors, j'ai mis un plus grand angle. J'espère que ça ira. Alors, je vais découper ici l'illustration, pardon. Alors, je ne suis pas obligée de couper directement parfaitement. Hein, en général, je refais des petites découpes. Alors, le bonheur des choses imparfaites. Ça, je vais le récupérer. Donc, je ne récupère pas que les belles images, mais aussi les beaux textes. Donc, hop. Et là, j'ai coupé dedans, donc ça ne va pas. Ensuite, donc, j'avais ce petit carnet-là. Ça, je vais le garder à part. Comme ça, quand j'ai envie de fouiller dedans, je fouille. Parce qu'il y a aussi de belles petites images. Je regarde une fois. Oui, c'est un petit carnet avec des images. Je vais le garder sur le côté. Alors, vous voyez ça par exemple, moi je ne garde pas. Si vous, ben, vous le voulez, ben, vous savez quoi faire. Les tortues, je m'en fiche un peu, donc si vous la voulez, vous savez quoi faire. Voilà, pour vous donner un exemple de ce que je disais tantôt avec les filles que je regarde. Alors, j'en regarde aussi des fois les textes. Hein. Attention, fragile, non, ça ne me dit rien, ni le fond. Alors, j'essaye des fois de bien, hop, plier. Alors, cette illustration-là, elle me plaît bien. Donc, je vais la découper. J'ai mis un plus grand angle, je vous l'ai dit. J'espère que ça ira, que ça ne fera pas bugger ma vidéo surtout. J'ai remarqué que, alors, je ne sais pas si c'est mon programme de montage qui
qui bug. Mais quand je mets certaines options sur mon GSM, que je filme avec certaines options, ça fait complètement bugger mon montage et ça m'est déjà arrivé de ne pas savoir faire un montage à cause de ça. Alors j'aime bien aussi l'image ici. Voilà, comme je vous dis, hein, je ne fais pas les découpes directement parfaites. Mais j'essaye de ne pas être trop cracra non plus. Hein. Alors, ce qui est bien avec Flair, c'est que les pages comme ça, c'est comme des pages de garde. Il y a des pointillés pour pouvoir les découper et les récupérer. Ça, c'est vraiment pas mal du tout. Vous voyez, hop. Alors, ça, c'est cool en fait. Mais je ne vais récupérer que ça ici. Je vais laisser dans le magazine celle-ci. Le nouvel idéalisme. Alors je l'ai déjà lu, hein, mais il y a des fois où j'ai l'impression de redécouvrir mes magazines quand je les refeuille. Je lis tellement des choses, surtout en magazine. Hein. Non, ça, non, ça ne m'intéresse pas. Encore une foule. Alors, ne vous demandez pas ce dont le monde a besoin, demandez-vous ce qui vous passionne et faites-le, car le monde a besoin de personnes passionnées. C'est bien vrai ça. Alors, je vais récupérer. Alors, je vais voir si je sais couper aussi un peu avec ma règle. Ça, j'aime bien. Je suis moins fan personnellement. Vous faites quoi en ce moment? Eh ben, je suis en train de filmer une vidéo, vieux. Ok. Ça ne m'intéresse pas. Je suis en train de me demander si je garde le magazine tel quel, hein, ne vous inquiétez pas, mais si je ne... Enfin voilà, si je dois l'envoyer, ben, je l'enverrai comme ça, mais directement déchirer les pages pour m'avoir plus facile pour déchirer les autres. Vous voyez, mais je le garde en ordre pour si jamais vous voulez récupérer les pages. Hop, il y avait ça. Je ne sais pas si je passerai certains passages, peut-être, pour vous ennuyer. Vous voyez, l'illustration là, je pourrais tout à fait vous, pour une personne qui aimerait bien, ben, vous l'envoyer en entier comme ceci. Quand même plus facile de tout déchirer à l'avance. Cela, on va plus trop en faire grand chose à mon avis. J'espère que, enfin voilà, en même temps elle fera le temps qu'il faut, mais j'espère que ce sera quand même pas trop long. Alors oui, ici, en fait je voulais déchirer comme ça pour avoir la page bien entière parce que je voudrais récupérer l'entièreté de l'illustration. Vous voyez, hop, comme ça j'ai l'entièreté plus ou moins. En même temps dans un journal et compagnie on n'est pas obligé d'être bien précis. J'adore, c'est vraiment une belle illustration, hein. Toute fleurie, toute
Alors ça, ce sera certainement pour le printemps et l'été, mais voilà, hein, on fait des découpes d'avance. Hop. Ça, je jette, hein, quand même. Vous n'allez pas me demander ça. Voilà, comme ça, je l'ai en entière. Et j'aime beaucoup aussi ça. Franchement, c'est trop beau. Il y en a, ils ont vraiment l'œil pour prendre des photos, quelque chose de dingue. Alors, vous allez me dire, il y a beaucoup de retouches, hein, dans certaines photos. Mais quand même, j'ai envie de dire, voilà. Alors, celle-là, j'hésite. Non. Je vois pas trop. Oh, vous voyez, hein, je dis. Quoique, non, je vais la garder. On ne sait jamais pour Halloween ou quoi. Envie de lire, voyager. Je vais essayer de faire sans déchirer tout. Je teste, hein, enfin, quand je suis toute seule, ben, je m'en fous de tout déchirer n'importe comment. Là, comme c'est quand même pour but de peut-être récupérer, bon, elles sont bien déchirées, hein, ça sera vraiment comme si, en même temps, ce que vous voudrez, c'est pas le magazine entier pour regarder, pour lire, c'est juste des images. Alors, c'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. Je regarde, hein, parce que des fois, j'aime bien aussi prendre des écritures. Il est temps de commencer à vivre la vie que vous avez imaginée. Ça, c'est une belle petite phrase que j'aime bien. Que je vais prendre. Oui. Alors, je prends les lignes avec. Je ne sais pas si je ne prendrai que le texte ou les lignes ou l'encadrement total. Alors, je mets tout en sac comme ça à côté et après, je trierai ce qui va dans quoi. Entre orage et passion. J'aime bien la petite dame là, mais il y a l'écriture qui empiète. Ouais, j'hésite. J'en réfléchis, hein. Je regarde derrière en même temps s'il n'y a pas quelque chose de mieux. Comme ça, la question serait vite, vite arrangée. Et je vais garder l'écriture, on ne sait jamais. Je garde toujours, on ne sait jamais que vous vouliez récupérer quelque chose là-dedans. Alors là, non, ça ne me plaît pas plus que cela. Alors, c'est pas ce que nous disons ou pensons qui nous définit, mais ce que nous faisons. Ça, c'est bien vrai. C'est une de Génostère. Ben, je vais prendre carrément. Je vais déchirer la page. De toute façon, il n'y aura rien à récupérer. Je couperai par la suite. Nous voulons aider les femmes qui souffrent. Des photos. Ah, il y a déjà une page de déchirée. À mon avis, j'ai déjà récupéré quelque chose. Je sais bien qu'il y a un jour où j'ai récupéré quelque chose dans certains magazines pour illustrer dans mon journal. Alors, pour être heureux, changer de perspective. Ok. Cette expression-là ne me plaît pas vraiment pour moi. Alors, deux exercices pour changer de perspective. Alors, attendez. J'hésite parce que j'aime bien ce côté-là pour pouvoir écrire avec. Ouais, je vais le garder. Je suis sûre qu'il y en a certains qui disent non, elle m'a coupé de rien. Quel gâchis. Qu'est-ce que vous voulez? Les goûts et les couleurs, hein. C'est comme je vous disais. Quand je regardais les vidéos, je vous dis, hein, il y a plein de choses, je me disais, mais, oh, moi j'aurais récupéré, j'aurais récupéré. Là, il n'y a plus de tête. Désolée. Maintenant, vous pouvez récupérer la tête, hein, si vous voulez.
Les stickers, ça je les avais pas encore retirés du livret. Ils sont vraiment trop beaux. Par contre, je crois que j'ai déjà pris un sticker sur une fois. Ben, justement, l'autre fois quand je suis venue chercher ça, j'ai arraché quelques pages déjà. Parce que ça me plaisait, que je les voulais sur l'instant T. Comme ça, il faudra que je les range. Alors, je vais vous montrer également comment je répertorie mon matériel. C'est encore toute une histoire, mais bon, vous verrez. Alors, le fond là, non. Pour l'amour des images. C'est vraiment ça, mon défaut, hein, pour l'amour des images. Vais le découper. J'ai toujours été très visuelle, très. Alors, j'ai fait mes études en infographie, hein, publicitaire. Bon, finalement, je ne travaille pas là-dedans, mais j'ai toujours été plus ou moins baignée dans l'image, le graphisme. Personne ne trouve étrange qu'un adulte s'amuse à regarder des livres illustrés pour son propre plaisir, car les Coréens adorent les images. Ils ont bien raison. Alors, ici, ce magazine-là, j'aurais bien voulu l'avoir. Il a l'air très, très beau. Moi, je vous le dis. Voilà, je vous laisse la page là si vous voulez. Récupérer l'illustration en petit. Ça se peut, il y aura personne qui me demandera un échange de découpe. Hein. Je m'avance peut-être un peu trop. Mon musée personnel. Ah, ça aussi, j'aime bien. J'ai bien aimé lire ce petit article et lire chaque définition de chaque objet. J'aime bien, j'aime bien. Mais il n'y a rien qui ne me correspond réellement pour que je puisse le prendre. Okay. Vous voyez, certaines personnes adorent les vieilles images comme ça. C'est vrai que c'est beau, hein, mais je suis pas vraiment. Tout le monde s'accorde à lui trouver un je ne sais quoi de mystérieux et attirant. C'est cool, hein. Franchement, ce genre de montage, c'est vraiment. C'est créatif, mais je suis pas fan. Je suis pas fan. Je suis pas fan. Je suis pas. Alors, c'est quoi ça? C'est un couple qui regarde un volcan. Bizarre. Bizarre. Vous avez dit bizarre? Alors, je regarde des fois aussi si je pourrais pas prendre en fond quelque chose. Les cabanes perchées. Oh, regardez-moi ça, les beaux paysages. Ça, je me demande si je pourrais pas récupérer et mettre genre une photo ou. Non. Ça va aller. Hein. C'est marin. J'aime bien les coquillages comme ça. Alors, j'espère qu'il n'y a pas trop de blanc dans ma vidéo, hein, parce que je suis en train de réfléchir des fois, donc j'ai pas toujours la babeille, malheureusement. Alors, je vais prendre un stylet pour ça. Je vais prendre mon petit stylet là que j'avais reçu chez Craftelier. Je ne l'ai jamais utilisé. Et je voulais ça, oui, pour ça. Alors, comment j'allais faire pour pas trop l'arracher? Voilà. Comme ça. Hop. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Personnellement, je suis poisson. Du signe du zodiaque du poisson. Vous êtes de quel signe? Ça m'intéresse, j'aime bien savoir les signes du zodiaque. Des fois, il y a vraiment des personnalités typiques des signes du zodiaque, je trouve. Ça non plus. Du rose, du rose, du rose. J'adore le rose. Au nom de la rose. Je regarde. Hein. Ouais, non. Et quand je lis les magazines, des fois, je me dis, oh, ça c'est trop beau. Je le découperai quand ce sera le temps. Quand ce sera le moment, plutôt. Mais c'est vrai que des fois, j'oublie, quoi. Là, je suis en train de refeuilleter le magazine. Je sais plus trop qu'est-ce que. M'étais dit, je vais le couper ou pas. Je ne sais plus.
Je regarde, c'est spécial. La lumière qu'il y a, on dirait que c'est un coup de pinceau en blanc autour du châssis. C'est spécial. Ou alors c'est le renfoncement et qu'il y a la lumière. Oh non, je crois que c'est plutôt ça. Ouais, c'est ça. Ça va aller. Je regarde. Cool les montages comme ça. Pêle-mêle, des idées, des envies et plus encore. Et toi, alors, un bouquin avec le cœur, je regarde ce qu'il y a derrière. Il y a des belles illustrations. Alors, je vais bien fait pour. Je vais prendre le petit bocal avec les cœurs. Oh, tant bien. Le bonheur, c'est maintenant. Peut-être que je prendrai aussi la phrase. J'ai pas lu directement. Je vais prendre mon petit ciseau. Ça va dans les. Je dis ça comme ça parce qu'il y a une de mes collègues, elle dit tout le temps ça va d'aller. Et j'ai pris son tic et j'ai dit toujours ça va d'aller. Le bonheur c'est maintenant. J'aime bien cette phrase, je vais la prendre. Attendez. Comment vais-je? Que vais-je faire? Je vais la déchirer comme ceci. Hop, ça va être plus facile. Zut. C'est pas grave. Si je reprends la page. Un petit coup de cutter comme tantôt. Ça, c'est vrai que c'est pas mal parce que avec un petit coup de cul de stylet. Hop, c'est fait assez propre à main. C'est moins perturbant, n'est-ce pas? Bien sûr, hein, mes amis. Arrive encore à digérer malgré tout. Bien sûr. Je vais reprendre ici même l'écriture, parce que moi, le café, j'adore. Voilà. Un peu de mon flair. Flow, pardon. Flair, bien sûr. Aller lentement, c'est privilégier une croissance durable. Tu es trop mignon, petit écureuil. Oh, j'adore. J'aime bien les illustrations. Je vais reprendre la page entière et on verra ce que je prendrai. Hop. Y a moyen que vous voyez où je découpe que le petit écureuil. Où je fais un petit encadré, vous voyez, je prends que les feuilles. Ici, hop, pareil. Les fourmis avec la ruche, machin. Ouais, non, il y a moyen de faire de belles choses avec cela. Juste pour récupérer les petits. Je réfléchis tout haut, mais en même temps, je suis en vidéo. Alors, je regarde derrière, j'ai juste un coup d'œil, mais sans plus. C'est bon, je peux récupérer ceci. Merci. Voyez, il y a plusieurs façons de découper, hein. Ciseaux, latte, stylet. Les vacances à la maison. Beaucoup ont eu ça cette année. Beaucoup, beaucoup. Bah, moi. Des illustrations un peu asiatiques comme ça. Moi je suis moins fan donc voilà, je les prends pas. Après, je regardais par curiosité à combien de minutes je suis. Alors là, il y avait un bloc-notes, je l'ai pris déjà. Ben, c'était ça en fait, hein. Un bloc-notes très nature. Prendre la page parce que je vais récupérer la feuille, je vais récupérer le trait nature, peut-être bien le petit truc ici. Donc ça c'est toutes des petites découpes que je vais faire après. Oui. Alors, voilà.
Comment créer un motif répété? Répète, son sur un bateau. Alors ça, je pourrais très bien récupérer. Hein. Oui. Je dis oui. Alors, si vous prenez déjà les découpes de magazines, dites-moi vous ce que vous prenez en général. Dites-moi si vous prenez ce que je prends. Dites-moi si vous avez d'autres goûts. Voilà, ça m'intéresse de savoir. Et si vous voyez, je peux très bien redécouper, avoir des genres de die-cut en feuilles, pardon. C'est vraiment pour illustrer mes propos, hein, des fois. Donc, des fois, je vais découper vraiment des choses bien précises. Et une petite illustration avec un chien. 15 conseils de sagesse, Vénus du Japon. Saine réponse. Les chiffres auraient été un peu plus grands, je les aurais découpés. Ce que j'aime bien pour pouvoir faire les dates sur mon carnet. Ici, par exemple, vous voyez dans le flair, des fois, il y a des. Enfin, dans chaque flair, il y a ça. Ça, je le prends. Des fois, dans les magazines bêtement de Aldi, Lidl et tout ça, il y a les dates comme ceci, je les découpe aussi. Des fois, bon, il y a des fois où je ne les utilise pas, donc ce sera peut-être pour l'année prochaine ou l'année encore d'après. Et encore, s'il y a le jour avec, ben, c'est raté, hein. Mais voilà. Tout ça pour dire ça. Mais au moins, c'est pris et je l'ai si vraiment j'ai besoin. Un grand verre de fraîcheur. Vous voyez, ça, j'aurais pu prendre. Mais je fais jamais de. Étant donné que je prends des illustrations par rapport à ce que je peux dire, écrire dans mon journal, des jus comme ça, je fais jamais avec des fruits et tout. Peut-être un jour, hein, mais pour l'instant, non. Donc, je vois pas l'intérêt de le prendre pour l'instant. Maintenant, il y a certaines choses qui me flashent et que je prends quand même et que voilà, ça peut aussi arriver. Vous levez les. On est déjà à la dernière page. Et ceci me plaît bien. Oui. Derrière, je n'aime rien. Ça tombe bien. Donc. Je ne découpe pas parfaitement directement. Voilà. Voilà donc pour ce qui est du premier magazine. Donc je le garde un petit temps, hein, je verrai. Allez, disons que je le garde un mois. Après un mois, ben, je vais quand même le jeter, je vais pas regarder tout, sinon je vais plus m'en sortir. Donc voilà, je garde un mois. N'hésitez pas à m'envoyer un email. Alors, je vais passer à d'autres choses. Je vais regarder quand même combien de temps, par curiosité, combien de temps ça fait. Une demi-heure, les gars. Ouh, vous allez avoir une vidéo très très longue. C'est pas grave. Alors, number two est court. J'ai envie de dire, heureusement. Number two. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de récupérer là-dedans? Déjà, j'ai envie de récupérer ceci. Je trouve ça très joli. Mais je vais regarder l'arrière quand même. C'est que 2 pages. Hein, donc ça tombe bien. C'est trop mignon. Trop, trop cute. Quand je parle de ma scrap room ou quoi, je peux tout à fait illustrer avec ça. J'aime bien pour illustrer la pluie, même si c'est un peu enfantin. Voilà, aujourd'hui il a plu. Hop, je mets ma petite illustration un peu qui sort de l'ordinaire. C'est beau ça. Même aller pour faire des tags ou n'importe quoi. Hein. N'importe quoi, il y a moyen. Bon, ça, j'ai mis un numéro, hein, mais ça m'étonnerait que vous ayez grand-chose à récupérer, mais on ne sait jamais. Hein, vous trouvez l'homme ici très beau. Je veux dire, moi, je prends des personnages. Et des fois, je prends des personnages hein, où
faites ce que vous voulez. Je rentre carrément l'encadré et je vais faire mon avis tag. Il n'y avait rien derrière. Hein. Il était temps que je regarde. Voilà donc pour le numéro 2. Numéro 3, un flair. Flair. J'ai le flair. Hop, ben justement, je vais vous montrer comme ça la date que je récupère là-dedans. Alors, rien du tout dans la couverture. Merci, au revoir. Je me suis rendu compte que tout le monde m'avait menti. Une énorme supercherie. Ça, par exemple, je l'ai déjà pris. Donc, j'en ai plus besoin. À chaque flair, il y a à chaque fois la même illustration, je pense. On y va, on y va. Gad Elmaleh. J'adore Gad Elmaleh. Si je regarde un de ses sketchs et que je me dis dans mon journal, comme ça, j'aurai une photo de lui. Il va aller dans ma partie star. J'adore Gad Elmaleh. Je sais pas vous, mais je l'adore. Il me fait trop marrer. Maître Gims, j'ai regardé, enfin, j'ai entrevu son le reportage sur lui. Je me suis retournée devant. Mais ça a l'air pas trop mal, hein, mais voilà, je n'avais pas trop envie de regarder, donc du coup, bien dans mon assiette. Manger, c'est la vie, moi je vous dis. Manger, c'est la vie. Un bon brafio aussi. Love in fun. Love fun. My body and me. Ça, j'aime bien, c'est des filles de toutes. De tout physique qui vont là et j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Oh, Pinocchio en grand. Pourquoi on ment? La vérité est derrière le mensonge. Pinocchio, c'est un peu trop grand l'illustration, donc je la laisse. Imitez-moi, ça aussi j'aime bien. Voir des fois des looks, les gens relookés. Par exemple, il y a une des filles que je regarde qui fait le dépiautage de magazine. Elle prend des chaussures et tout ça. Elle aime bien les baskets. Et donc, elle prend beaucoup, beaucoup de chaussures, en fait. À la mode belge. Bon, je prends toute la truc, mais à mon avis, je ne prendrai que le belge. Parce que je suis belge, à une fois. Je fais vraiment les stéréotypes de chacun. Hein. Avec une fouettée. Wow. On a l'humour bon enfant, c'est pas grave. Des fois, j'aime bien aussi prendre des personnages comme je vous avais dit. Vous voyez, je vais peut-être pas forcément la mettre toute entière, mais des fois, je regarde s'il y a ses pieds coupés, si ça donne bien ou pas. Là, ça montre voilà, quelqu'un qui est fier. Imaginons, je suis fière pour quelque chose et tout, mais je pourrais la mettre en illustration dans mon journal. Ouais, j'ai envie d'apprendre. Je vais la déchirer, je vais vous prendre en gros. Oui. Alors, ça sur les bébés, je ne sais plus s'il y avait quelque chose à dedans. Quand je vais regarder vite fait. Je vous montre comme ça, si jamais il y a des choses qui vous intéressent.
tout là-dedans. Alors, je continue. Encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Ça c'est bien, mais étant donné que les gouttes descendent sur de l'écriture et tout ça, c'est moins bien. Donc du coup, j'en apprends pas. Ça, je l'ai pris en petit. Il n'y a rien de plus ennuyeux que d'écouter une émission préparée de A à Z. Vive l'impro. Moi, c'est vive l'impro sur ma chaîne, ça c'est sûr. Hein. Encore les images pixelisées comme ça, c'est marrant. En plus grand. Elle est fun. Malheureusement, il y a l'écriture là qui vient couper ses cheveux, sinon j'aurais bien pris. Ouais. Mais non, tant pis. La Reine des Neiges. Nous, c'est nous. C'est vrai, nous, c'est nous. Quand déjà réfléchi une fois, les mains comme ça, quand je suis pas contente là, je pourrais illustrer avec sa main là. Ouais, j'en prends une. Hop. Et on y va, qu'on coupe à la barbare. Fin d'aujourd'hui. Le G là, il est beau. G. Je réfléchis s'il y a des choses avec G. À part le nom de ma soeur Greta. Et voilà quoi. Que pourrais-je prendre? Franchement, j'aime bien le fait qu'il y ait de plus en plus de femmes rondes représentées dans les magazines. C'est vraiment bien. Vous voyez ce que je vous disais? 25 septembre. Alors, je suis pas encore arrivée pour être... De toute façon, je peux... ce genre de truc-là, je peux l'utiliser pour l'année prochaine. C'était beau, là, la pomme. Qu'est-ce que je fais? Oh. Franchement, j'ai une tarte aux pommes ou quoi, là? Que je mets de la pomme. Oh, je prends la pomme. Tant pis pour la date. C'est la première fois que je prends pas la date, tiens. Eh ben, tant pis. Il y a une première fois pour tout. Alors. Trop bon. Horoscope. Ça, j'aime bien. C'est quand j'ai mon insigne ou quoi. Je prends encore bien, mais là, non. J'aime bien faire le sudoku. Je le retirerai bien juste pour le faire, pour l'avoir sur le côté. En général, je l'ai fait, hein, mais là, bon, je l'ai pas fait. Ok, je le prends. Et ça, je le prends à part. Voilà donc pour ce qui était du troisième magazine. Alors, ça, donc, c'est un petit magazine que j'ai pris gratuitement donc, chez Club. Donc. Number 3. Ah non, c'est le 4, désolé. Voilà. Ça se peut, il n'y aura rien. Hein. Des fois, je prends sans regarder. Ne m'en voulez pas si je feuillette ce magazine sans rien prendre dedans. Mais ça commence déjà bien parce qu'il y a quelque chose là qui m'intéresse. Je regarde l'arrière. Attendez. J'aime bien la petite fleur là. Une toute petite découpe, mais voilà. Dans mon journal, c'est un petit journal là, que j'ai. Voilà. Alors. Black Lives Matter. Ça, j'aime bien. Genre solidarité. Made in Belgium. Ah, ben finalement, je vais quand même prendre pas mal de temps. Je sens. Je vais découper ces deux-là. Je verrai exactement ce que je prends. Juste ces écritures ou le... Vous voyez par exemple ici, Made in Belgium, juste écriture ou l'électricité. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ou l'illustration complète. Derrière...
encore la fameuse fleur ici. Ici aussi, mais voilà. Valeur confirmée. Je regarde derrière s'il y a rien qui me plaît. Je vais reprendre la fleur là, comme ça. Hop. Valeur confirmée. J'espère qu'il n'y a pas trop de blanc pour vous, hein, parce que j'aime bien ça. Black Lives Matter. Je vais le dire pour une fois, donc je vais plutôt me diriger sur cette illustration là, celle-ci aussi. En fait, c'est des carnets, mais waouh, très bien, j'aime bien. Oui, je vais prendre les deux, l'autre là, la troisième ne m'intéresse pas forcément. Ouais, j'aime vraiment bien. Oui. Je dis oui. J'aime bien le dégradé là, comme ça. Je réfléchis. Hein. Au-delà des frontières. J'aime beaucoup les fleurs comme ça qui traversent les propos du magazine. Et j'adore. Et j'adore. Regardez danser les gens. Un petit carnet dans un petit carnet. Ça, c'est pratique. C'est les agendas 2021. Encore une feuille. Je me découpe pour illustrer. Hop. Sur toute une page. Pourquoi pas. Hop. On y va. On découpe. Et oh, la fille qui a envie de chanter. Made in Belgium. Oui. Alors j'aime bien aussi faire ça genre en regardant une série ça j'aime bien. Ouh, ça j'aime bien. Allez. Hop. On y va, on rigole pas ici. Regardez ça. Merci Club de faire des illustrations comme ça. C'est trop cool. Encore une. Ah, il y a des choses où j'hésite pas du tout. Hein. Ça, en général, quand j'hésite pas du tout, je me pose même pas la question. Je découpe un point, c'est tout. Par contre, quand j'hésite, ben, j'ai moins tendance à prendre. Je me dis, bon, allez, non. Si tu hésites, c'est que tu hésiteras à l'utiliser quand tu auras tes yeux dessus, quand tu seras en train de créer. Donc voilà. Sinon, je vais me retrouver avec des fartes méga, giga, giga, méga remplies. Club number 4. J'ai dû réfléchir. Ensuite, le dernier, ici, c'est un magazine Respire. C'est un beau magazine également. Je vais mettre sur le titre. Donc, c'est le numéro 5. Alors, la prochaine fois, je ferai peut-être moins de magazines, parce que là, je pense que la vidéo va durer très longtemps. Vous allez me haïr. Je vais prendre ici illustration parce que je l'aime beaucoup, hein, si je le prends en même temps c'est pas parce que je l'aime pas, hein. Hop, je la coupe au stylet, c'est plus facile, j'aime bien, franchement j'adore. Ici elle est en plus petite. Oh, je vais vous la laisser si vous la voulez. Oh my god, je me souviens quand je l'ai regardé ce magazine, je me suis dit oh, il va y avoir plein de choses que je vais prendre.
En effet. Alors, je réfléchis. Elle boit du café, je bois du café. Elle boit de l'eau, je bois de l'eau. Là, c'est plus ouais, plein de conscience, quelque chose qui te prend les tripes. Je regarde s'il y a une signification quand je regarde les images aussi, hein, pour pas prendre pour rien. Là, la créativité. Là, les balades avec un chien, mais voilà, nous on a des chèvres, on va faire des balades avec des chèvres. Bon, je les prends toutes. Allez, on y va. Derrière, il n'y a rien qui me plaît, c'est bon. Ben voilà, je vais découper du coup. Je vais prendre les illustrations. Je les découperai mieux une autre fois. Et celle-là. Hop. Ça, c'est quand on va aller trop vite. Bravo, Mélanie. Bon, ben tant pis pour ma madame qui boit du café. Hein. Ah là là. C'est pas grave. Alors là, gymnastique et compagnie. Alors, la petite de mon compagnon fait de la gymnastique. Je me demande si du. Oh, elle est là, madame café. Je vais pouvoir la récupérer. Alors, du coup, oui. Je vais récupérer ceci pour la gymnastique. Parce que donc, la fille de mon compagnon, je répète, fait de la gymnastique. Du coup, je la prends. Ma madame café, je la reprends vu que je l'ai dégommée de l'autre côté. Je prends toute la page parce que je vais reprendre aussi. Je vais récupérer le pot de fleurs. Je crois que c'est le meilleur des magazines là, au niveau des illustrations. Alors ici, ouais, non, j'en parle trop. C'est pas mon goût en tout cas. C'est aussi, hein, c'est des beaux magazines à lire vraiment. Nickel, ça j'adore, 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 j'adore. En fond, des trucs ainsi. Je regarde une fois. C'est un moyen que j'écarte pour pouvoir mieux récupérer les choses. Hop. Ça, il ne faut pas que je perde. Si vous voulez récupérer ceci, par exemple. Donc là, j'ai bien écarté. Je pense que. C'est bon. J'y arrive pour les autres. Comme ça, je récupère bien l'illustration en question. C'est vraiment de couper dans l'arrêt. Comme ça, j'avais oublié d'en regarder l'arrière, mais ça va. Il n'y a rien qui me plaît à l'arrière. Ici, ben, hop. Et alors, excès de bien-être. Il n'y a jamais d'excès de bien-être. Et donc de l'autre côté, il reste ceci, un rien de très particulier. Faites-le à votre manière, des poulpes. Voilà, toujours avec les gymnastes. Je regarde la première illustration. Ça sert à rien, je les prends en 10 fois. Hein. C'est pour les étirements et tout ça, je crois. J'avais lu plus ou moins cet article-là. Alors, celle-là, je l'aime bien. Je regarde. Donc ça, je vais la récupérer. Vous voyez, je récupère pas pour dire de récupérer. Hein. Ça, par exemple, c'est mignon, mais je sais pas, c'est. Non. Ça représente vraiment la détresse. Ça aussi, j'aime bien tous ces. Ouais, je vais reprendre ceci. Je réfléchis un peu parce que. Ce qu'il y a, c'est que j'aime. Enfin, ça représente bien un truc, mais je suis pas fan. Ouais, non, j'en ai laissé. Je vais la laisser là et prendre l'autre page. En rouge et noir. Art de vivre. Un champ de lavande. Si vous aimez bien la lavande.
comment cultiver la lavande. Il faut savoir que je déteste les cordons, les guêpes, les, tout ce qui est. Mais je les trouve toujours trop mignons en illustration. Donc, je prends. Je peux illustrer ma phobie avec une mignonne petite guêpe pour abeille ou n'importe quoi. La force de changer. Le sport, comme ça, c'est pas trop pour moi. Donc, je l'ai... Oh my god, elle est magnifique. J'adore, 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 j'adore. Ah, Seigneur. Avec le poisson et tout, j'adore. Je réfléchis. Laissez-moi réfléchir. Genre, je suis toute seule, mais laissez-moi réfléchir. Ça va? Moi-même et moi-même avons besoin de réfléchir. Je vais essayer de couper proprement. Je vais voir si ça s'est coupé proprement. Alors, la vidéo va durer vraiment très longtemps. J'espère que vous ne me haïssez pas à ce stade de la vidéo. Je ne vous en voudrais pas en même temps que vous me haïssez. Alors, je vais récupérer cette madame-là en entière, s'il vous plaît. Parce qu'elle est trop belle. Trop, trop belle. J'adore. Et ça, je vais... Comme ça, si je veux récupérer pour la bouteille, il y a moyen que je refasse du collage. Oui, oui, oui. Alors, j'aime bien le poisson là. J'ai surtout tendance à dire que j'ai une mémoire de poisson rouge. Donc, oui, je vais reprendre la page entière parce qu'il y a encore des poissons derrière. Ensuite. Oui, oui, oui. Des pas comme ça. Elle attend ce oriental. Franchement, j'aimerais bien. J'ai déjà dit, hein, j'aimerais bien commencer la danse orientale. Et quand j'ai lu ce magazine, ça m'a donné vraiment envie. Alors, je vais reprendre la petite théière ici. Avec l'eau qui chauffe. Ma collègue l'autre fois m'a dit, mais tu fais tout le temps des petits bruits d'elle. Hop, et c'est vraiment plus. C'est vrai, c'est vrai. Alors, il pleut souvent en Belgique. Du coup, je me demande. Mais non, la couleur, j'ai pas envie. Pleine conscience. The reflective. Quand je réfléchis, en général, je ne prends pas. Parce que si je réfléchis trop, c'est que ce n'est pas des trous de cœur. Ça va aller bien. Ça l'a jamais. Par contre. Ça, j'avais bien aussi pour les valeurs fondamentales. Ça, je vais récupérer, mais pour l'écrit, pour la liste de valeurs fondamentales, oula, ça va aller. Alors, je coupe avec mon stylet. Moi j'ai toujours appelé ça stylet. Je sais pas si. Je sais pas. À l'école on appelait ça un stylet. Du coup j'appelle ça un stylet. Tout simplement. Je récupère les valeurs fondamentales. L'illustration ici, ça peut être chouette aussi pour genre. Mais voilà. Jamais. Celle-là. Non. J'aime bien ça. Je regarde derrière. Ah! Oh. Je vais tout reprendre. J'adore. J'adore. Par contre, il faudrait que je fasse un choix devant, derrière. Du coup, j'aime beaucoup le papillon. La chenille. Ouais, non, j'aime bien tout. J'aime bien tout. Leçon de vie. Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. Ça, c'est beau. J'aime beaucoup, c'est ça, surtout. Respirer pour en aider le calme à soi. Je regarde derrière.
Que recèlent les nombres? Ah, ça aussi. Je voulais le récupérer. Je me souviens. Écoutez, je vais récupérer tout cela. Il faudra que je fasse avec la numérologie. Et ça, j'adore la madame là. Elle est trop belle. Donc, je récupère tout ça. Désolée. Genre, je m'excuse maintenant. Créativité. Alors, je vais tout récupérer. Parce que je vais prendre l'illustration et le mot que je vais couper à part. Juste pour le plaisir. J'aime bien le mot. Voilà, c'est bon. Il y a moyen. Je ne coupe pas dans l'appareil photo. Si vous voulez récupérer l'appareil photo. Oui, je pense à vous. Je pense à vous. So. Voilà, l'appareil photo. L'image de l'appareil photo est intacte. Je suis fière de moi. Non. Ceci. Des lettres à cœur ouvert. J'aime bien l'illustration. Genre, je reçois vos courriers et tout, là, pendant mon concours. Elle est grande, hein, mais il y a moyen de peut-être... Vous voyez, la mettre en A5, comme ça. Il y a moyen. J'aime vraiment beaucoup. Je me souvenais même plus qu'il y avait ça dans ce magazine. À mon avis, j'y ai pas fait attention parce que j'avais pas encore lancé mon concours. Vous voyez, des fois, faudrait penser plus loin, mais c'est vrai que... Si on pense plus loin pour tout, on se retrouve avec 50 milliards de magazines. Des perles. Une perle rare. Ouais. Je vais prendre les perles. Il y a des gens qui posent des perles. Bien, vous voyez, je mettrais ça au-dessus d'une page parce que j'ai une idée ou quelque chose comme ça. Oui. 5 créations inspirées par des images. Je vais récupérer ceci. Alors, la machine à écrire. J'aime bien, mais. Ben oui, j'aime bien en fait. Bon, il n'y a rien à récupérer pour vous, donc je découperai à part. Ensuite, ici, Madame Kelly, Madame Kelly, j'aime bien. Je récupère. Et tout. Essentiel, Costa Rica. Oh, ça doit être beau là-bas. À Costa Rica. En grand comme ça, les belles. J'imagine bien aussi des fois certaines choses en couverture de magazine ou des trucs ainsi. Ouais, non, je vais la récupérer celle-là. Oui, j'ai regardé derrière, c'est bon. Je parle de travers, ça va aller. Alors, ici, ça, j'aime bien les illustrations des feutres et compagnie. Donc, je vais récupérer. Ceci. Entre les lignes. Côté du monde végétal. Entre les lignes. Très bien la phrase. Vous savez, des fois, quand les gens disent des choses entre les lignes. Hop. Ici, non. Oh mon Dieu, c'est trop beau ça. Ouais, je me rappelle. Merci. Il est vraiment beau ce magazine, c'est dingue. Il y a certaines personnes, je suis sûre, qui se disent mais comment elle fait pour découper son magazine, c'est pas possible. Mais ça va, je m'en porte bien. Alors ça, j'aime bien aussi. Oh, l'arrière est beau aussi. Je pourrais récupérer rien que ce côté-là. Les yeux tournés vers le ciel. Je vais récupérer pour l'illustration ici et ça ici.
pour ce côté-là. Quand on va au barrage, des trucs comme ça, qu'on se pose tranquille. Ou pas qu'au barrage. J'aime bien. Ici, c'est marrant que la madame soit verte comme ça. C'est space. Oui, non, je la reprends. Claire de lune. Poser un regard curieux sur le ciel. Si je coupe dedans, de toute façon, c'est foutu pour l'arrière, donc je vais reprendre comme ça. Trop beau, j'adore. Après ça, l'autre. Encore madame qui boit du café, mais dis donc. Alors, je me pose la question, est-ce que ce ne serait pas exagéré? J'apprends deux fois. Je regarde. Vraiment, la fille qui se pose des questions. C'est bon. Ça, c'est beau. Très bien. Éloge de la naïveté. Qu'est-ce la naïveté en même temps? Bon, ben voilà, je crois qu'on arrive à la fin, les gars. À la fin! Franchement, ça a été long quand même. Ça a été long. Enfin, pour vous, moi, voilà, c'est peut-être le temps que j'ai pris en regardant une série. Juste là, ben, c'est en vous papotant, parlant toute seule. Donc, le numéro 5. Donc, voilà, j'ai découpé quand même tout ça. Alors, il y a encore des petites découpes à faire et compagnie. Si vous voulez que je vous fasse le rangement de mes découpes, ça, par exemple, c'est des trucs déjà plus ou moins bien découpés. Hein. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo où je range mes découpes dans mes classeurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo dans ce genre. Je prendrai peut-être moins de magazines, j'en prendrai peut-être que deux, voire trois. Mais j'en ferai peut-être une vidéo dans ce genre plus fréquemment. Voilà, dites-moi en commentaire ce qui vous a plu, ce qui vous a peut-être pas plu aussi, hein. Je me demande si pour la prochaine fois je n'essaierai pas de lancer un sujet. Je ne sais pas. Je sais pas. Pour peut-être meubler un peu plus. Enfin, en même temps, ça va peut-être me déconcentrer sur ce que je veux garder ou pas. Donc je ne sais pas. Dites-moi si vous avez aimé comme ça la vidéo quand je vous parle, mais qu'il y a des blancs malgré tout. Ou si vous voulez que je découpe en vous mettant de la musique de fond, donc sans que je parle. Dites-moi tout en commentaire, s'il vous plaît, ça m'aiderait. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, donc ben, j'en ai terminé là avec cette petite vidéo. Je vais remplir la petite enveloppe. Ah ben, je vais prendre un truc du petit carnet là tout à l'heure que je vous ai passé rapidement. Qu'est-ce que je vais vous mettre? Je réfléchis. Je regarde s'il y a quelque chose derrière. Je vais vous mettre ça. Un beau paysage. Je vais prendre dans ma petite. Oh, je regardais là s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait. Je vais vous mettre la petite bougie. J'allume rarement des bougies, donc je n'en vois pas trop l'utilité. Et puis j'en ai d'autres. Hein. Dans mes stickers et compagnie, je peux vous le mettre. Et soirée pyjama, ça vous inquiétez pas que je le fais, donc je le garde. Qu'est-ce que je peux vous mettre? Oh là là, c'est dur. La guitare? Je fais jamais de guitare. Cadeau. La guitare. S'il y a un musicien qui gagne cette petite enveloppe, il serait content d'avoir ce petit stickers guitare. Voilà, dans la petite enveloppe. Voilà, donc j'en ai terminé là avec cette très longue vidéo. Voilà, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Répondez aux questions que je vous ai posées, s'il vous plaît, ça m'aiderait. Voilà, donc je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!